Larissa, elle était tout à l'heure à la clinique de la foi. Ça fait une semaine. Elle est en classe de 3e. Elle faisait l'EPS et elle est tombée sur son pied droit. Et lorsqu'elle s'est assise après, les douleurs sont remontées dans tout le pied pendant une semaine. Notre soeur n'arrive pas à marcher. Oui. Mais tout à l'heure, elle est venue à la clinique de la foi. Et après l'imposition des mains, elle a reçu la guérison totale. Elle arrive à faire les mouvements, les gestes. Fait le geste. Elle arrive à faire le geste. Elle peut s'asseoir, se lever sans douleur maintenant. La sœur Nguessan Olga s'est réveillée ce matin. Ce matin même, ce dimanche, avec une forte douleur à la hanche. Ça n'a pas découragé Nguessan Olga à venir à la prière. C'est avec cette douleur-là qu'elle est rentrée à la montagne du Christ libérateur, sachant qu'elle allait recevoir sa guérison et elle a reçu au nom de Jésus. Comment la douleur faisait, Olga? Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? Nguessan Olga n'arrivait même pas à s'asseoir. Elle dit qu'elle s'assoit, elle devait attraper sa hanche pour pouvoir... Oui, tout à l'heure, en priant pour elle, on a vu un peu Oui. Voilà, et même qu'elle ne pouvait pas se tenir debout. Dans tout le temps de la prière, elle était assise. Et lorsque tu as demandé à tous les malades de venir pour recevoir la guérison divine, Nguessan Olga était dans le rang. Et elle a reçu à la clinique de la foi le toucher divin et automatiquement, toutes ces douleurs des hanches ont disparu au nom de Jésus. Et Nguessan Olga peut faire tous les mouvements. Assieds-toi. Elle peut même s'asseoir, se lever. Assieds-toi rapidement. Lève-toi sans douleur. Elle peut sauter. Nguessan Olga peut sauter. Saute. Maman s'appelle Amatana. Depuis 2007, elle a reçu une morsure dans son rêve à son poignet. Le mois qui a suivi, elle a reçu une morsure à son poignet. Morsure de quoi? Qu'elle nous dise qui l'a mordu. Dans mon sommeil, mais mon bras là me fait mal. Donc je ouvre mes yeux, ça me fait mal effectivement. Elle a des douleurs fortes au poignet dans son rêve. À son réveil, ces mêmes douleurs sont dans son poignet toujours. Comment c'est ça? Oui. Donc depuis 2007, elle a reçu cette douleur au poignet. Et le mois qui a suivi, ça a attaqué l'autre poignet. Oui. Et depuis ce jour, maman n'arrive plus à faire la lessive. C'est vrai. Je ne peux rien faire. Même pour attacher, pas, même pour porter au robe, même c'est quelqu'un qui me porte. Mes deux bras, là, quand je balance, c'est comme s'il y a quelque chose qui me pique. Donc, quand je marche, j'ai oublié de faire comme ça. Même en marchant. Mon panier du marché, même, j'attrape ça comme ça. Je ne peux pas attraper avec ma main. Et tu es mariée? Oui. En tout cas, c'est mon mari qui fait tout pour moi. Donc aujourd'hui, maman Tana est venue à la clinique de la foi. Le toucher divin, et maintenant elle arrive à faire les gestes avec sa main. Comment elle arrive fait? À faire tout ce qu'il faut. Attrape ça là, la pèse un peu. Mets ton doigt sur. T'as pas mal, c'est fini. Merci Jésus. Parce que quand je venais, il y avait la foi. Dieu, toute maladie que j'ai reçue en rêve, que j'ai reçue en rêve. ou à la suite d'un rêve, partout. Partout, partout, j'appelle la guérison et la restauration. J'appelle la guérison et la restauration.